se retrouve pour la vidéo haul de mon anniversaire, comme c'est aujourd'hui. Voilà, donc on devient un vrai fossile. Mais du coup, hier, lors du vlog, vous avez pu voir, j'ai démonté la ville, tout ça, pour pouvoir faire en fait le haul, la review et la construction de ce set déjà bas ici. Et bah, du coup, c'est du set Tazi que j'ai reçu hier et puis des prochains sets que je vais prendre, puisque pour l'instant, j'avais rien d'autre à rajouter dans la ville. En 7, enfin, il y en a peut-être un, mais je pense qu'il passera même pas, donc voilà. J'avais pas prévu de l'acheter tout de suite, mais du coup, voilà. Et là, ce que j'ai reçu, en fait, le carton, vous l'avez déjà vu en photo en story il y a quelques semaines. Et aussi, le problème, c'est qu'en fait, le carton faisait presque le double en fait de celui-là que vous voyez, donc, et en largeur aussi. Donc, en fait, ça ne passe même pas, je pouvais même pas le rentrer dans la chambre, donc j'aurais voulu le sortir du carton pour la vidéo, mais du coup. Ça passait même pas tellement le carton était grand et je vous explique pas la galère pour le porter quand j'ai été le chercher au point relais. Enfin, c'était vraiment énorme. Et du coup, je vois une nouvelle utilité au plaid Lego. Ça fait en fait office de papier cadeau. Et du coup, bah, on va regarder ce qu'il y a dessous lors de cette vidéo. Et puis, bah, je suis vraiment très content de enfin mettre la main dessus parce que j'ai regardé, c'était il y a à peu près il y a 2 ans déjà que j'avais voulu l'acheter. Bon, à un prix un peu moins cher que ce que Lego demandait parce que déjà il coûtait cher, puis après il a augmenté. Et à cette période-là, ben, je l'avais acheté sur Vinted à la base, mais c'était la fameuse arnaque où en fait j'avais reçu une enveloppe vide d'un super vendeur. Voilà, mais heureusement il y avait encore PayPal à cette époque-là et du coup je m'étais fait rembourser de A à Z. Alors que là, j'ai regardé maintenant, il n'y a plus PayPal donc ça me rassure moins d'acheter sur Vinted parce que même qu'il y a la protection acheteur, est-ce que c'est aussi fiable et que PayPal ou que j'ai déjà eu l'habitude de me faire rembourser que ce soit des petites ou grosses sommes. Et du coup bah lui je l'ai trouvé voilà bah sur le shop en gros. Et du coup c'est parti, on va pouvoir enfin enlever la couverture, enfin le plaid Lego et voir ce qu'il y a dessous. Enfin moi du coup je sais puisque j'ai déjà ouvert, mais c'est pour vous montrer pour vous ce qui vous attend sur la chaîne prochainement en review. Donc voilà ce qui se trouvait dans l'énorme carton et sous le plaid. Donc c'est l'énorme set Star Wars UCS AT-AT. Voilà, je suis vraiment trop, enfin vraiment super content de l'avoir parce que franchement, ça va être un des UCS les plus accurate, que ce soit avec les dimensions, même l'intérieur, ça fait plaisir. Après, je pense que pour moi, le meilleur pour l'instant restera toujours le Razor Crest que j'ai vraiment adoré. Mais peut-être qu'une fois construit, ça pourra vraiment être une vraie pépite. Et du coup, j'espère aussi qu'il passera sous la table. Normalement, oui, parce que attendez, je vais tourner le carton pour vous montrer les mesures. Voilà, parce qu'il fait quand même 69 cm de long et 62 de haut. Donc normalement, ça devrait passer sous ma table. Et comme je pense pas qu'il est forcément très très large, j'arriverai à le faire. Tu vois, enfin, vu que dessous la table, il y a déjà le Star Destroyer, le Gunship, le Millennium et le Razor Crest. Je pense que j'arriverai à le mettre sur un des côtés. Ça fera trop stylé, ça fera encore un monstre 7 pour mon hangar sous la table. Du coup, voilà, puis après, parce que j'adore sur cette boîte, bon, c'est pas la review, mais toutes les images qu'ils ont pu mettre par rapport au film, et puis toutes les figurines, parce que mine de rien, il y en a pas mal. 9 mini-figurines quand même, en plus, donc pour un gros set comme ça, c'est rare, des fois, on en a deux, voire même pas, ou ouais, vraiment deux, c'est le plus bas, comme le Razor, comme le Star Destroyer UCS, ou même le Venator qui est sorti dernièrement, il y en a que deux de mini-fig, donc là, c'est pas mal, et je crois, d'après, si je sais pas si c'est toujours le cas, mais il me semble que oui. Que du coup le général Veers et le Snowtrooper Commander lui sont pour l'instant exclusifs à ce set là, donc c'est toujours cool d'avoir 2-3 exclusivités par-ci par-là. En plus le prix quand même, il coûtait 800 euros à la base quand il est sorti, avec la soi-disant inflation il l'a augmenté à 850. Donc voilà. Donc voilà, bon, après moi c'est un peu spécial cette semaine, on n'a pas vraiment trop le temps de fêter mon anniv, donc ce sera là on est mardi donc le jour même de mon anniv, donc c'est pour ça que je peux vous présenter en tout cas lui. Mais après, on avait prévu de faire une fête en famille, des amis, tout ça. Et malheureusement, ils n'étaient pas là. Donc, je sais pas après, en fonction de ce que je recevrai ou pas lors de ce fameux anniversaire en famille, tout ça. Donc, en fonction, ben, je referai une vidéo. En tout cas, le plus gros de mon anniversaire, c'est ça. Après, je sais pas s'il y aura forcément 2-3 autres trucs ou des bricoles à la con. Mais en tout cas, pour ce qui est d'un vrai set Lego, voilà, on a l'énorme AT-AT avec quand même les 6785 pièces. Donc, il y aura du boulet. du boulot pardon à assembler tout ça. Le seul truc j'avoue que j'ai peut-être pas trop hâte de faire, mais bon on est un peu obligé, c'est de faire 4 fois les mêmes jambes. Mais après ce que j'ai regardé c'est qu'à l'intérieur tout est bien réparti en fait par boîte spéciale jambes spéciale partie haute partie, enfin c'est vraiment bien foutu.
Et j'ai regardé 2-3 reviews, ils disaient que c'était au final quand même cool à construire. Et ce que j'aime bien, c'est le système de cette espèce de tournevis Lego en fait pour faire tourner ça et puis qu'on puisse le mettre dans différentes positions. Parce que moi, le seul que j'avais en AT-AT, c'était celui qui est là-bas en haut, le motorisé. Donc là, ça va être une sacrée différence. J'avais jamais vraiment voulu acheter les petits parce que déjà, ils les vendaient quand même cher. Il me semblait c'était quoi déjà dans les 180. Et je savais qu'un jour ils finiront par faire le UCS et que je le prendrai. Donc voilà, ce jour est enfin arrivé. Donc voilà, donc pour le cadeau, on va dire, principal de mon anniversaire, en plus, ce qu'il y a, c'est qu'il y a aussi Pâques dimanche. Et à chaque fois, en général, j'en reçois un truc sympa. Donc peut-être je referai une vidéo en mode All Pâques anniversaire 2.0 en mode. Du coup, voilà pour en tout cas cette partie-là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, me voilà encore un vieux dinosaure. Et puis ben là je fais exprès de pas lire parce que je sais qu'en commentaire vous allez dire vous allez être à quel âge tout ça donc je répondrai aux commentaires. Du coup voilà donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à venir en commentaire ce que vous en pensez, à faire un tour dans la description pour Twitter, Instagram et TikTok. Et puis ben, je vais essayer de faire au plus vite mais pas non plus trop vite pour quand même apprécier la construction de ce set pour après ben, vous en faire la review voilà prochainement sur la chaîne. Donc voilà, allez, salut.